Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Aujourd'hui 24 mars, mais quelle méditation que nous avons eue hier. Une telle présence de Dieu que waouh, waouh, waouh. Et les paroles que Karine a relâchées, oh moi, elles m'ont mis un baume dans mon cœur. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien parce que vraiment, mon épouse et moi, nous avons ce même esprit. Il est normal, nous sommes mariés, nous avons communion ensemble, spirituellement, émotionnellement et charnellement. Et nous sommes vraiment sur la même longueur d'onde et je rends grâce à Dieu pour la communion qu'il y a entre elle et moi. Je rends grâce vraiment à Dieu pour tout ce qu'il fait. Aujourd'hui, 24 mars, une petite méditation. Je ne voudrais pas prendre plus de temps parce que hier nous avons passé pas mal de temps dans la prière. Et aujourd'hui, je voudrais que le temps que nous avons pris hier, nous te le relâchions pour aujourd'hui. Aujourd'hui, 24 mars, le texte de la méditation se trouve dans Marc, chapitre 5, verset 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Vous pouvez recevoir la guérison n'importe quand ». Oui, beaucoup sont en train de regarder « Ah, mais c'était un autre jour, non, c'est pas moi ». Si, c'est toi, si. N'importe quand tu écoutes, mon frère, c'est pas parce que aujourd'hui le titre de la méditation, comme je disais, c'est vous pouvez recevoir votre guérison n'importe quand. C'est pas parce que aujourd'hui, peut-être, si on est le 5 juillet quand tu écoutes, que cette méditation s'est mise le 24 mars, que la guérison ne va pas arriver. Non, la guérison peut arriver, mon frère, ma soeur. Karine a fait une playlist avec foi et guérison, mais quand tu es à la maison, quand tu es en train de travailler, mets cette playlist-là, mets-la en route, écoute ça et nourris-toi de ces paroles-là. Parce que tant que tu écoutes ça, mon frère, ma sœur, ta foi est nourrie, ta foi grandit, mon frère, ma sœur. Si tu ne savais pas comment nourrir ta foi, ben voilà, je viens de te donner la solution, mon frère, ma sœur. Donc, tu vas dans la chaîne Karine, celle que tu es en train d'écouter, tu vois où ce que c'est mis, Karine 77-77 ou Karine 77-77 pour nos amis belges et francophones. Tu cliques dessus, tu regardes, il y a la chaîne de Karine, il est mis « Playlist », tu cliques sur « Playlist » et tu as toute une série de playlists, dont « Foi et guérison » et d'autres playlists que mon épouse a créées pour vous bénir, mon frère, ma sœur. Pour vous bénir, mon frère, ma sœur. Et n'oubliez pas de mettre « J'aime », n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Karine, n'oubliez pas de partager cette chaîne sans arrêt à vos frères, à vos sœurs, à vos collègues, à tous, mon frère, ma sœur. Les guérisons peuvent être déclenchées par l'homme aussi. En Marc chapitre 5, nous avons le récit de cette femme atteinte d'une perte de sang qui mit en action sa propre guérison. Jésus n'était pas venu lui dire « Ma sœur, tu es malade, tu souffres de ça, tu as fait ci, tu as fait ci. » Non, c'est elle qui a été l'homme de Dieu là. Jésus est un homme béni. Je vais le toucher. Et spirituellement, tu peux toucher Jésus. Spirituellement, tu peux nous toucher à nous aussi qui faisons cette série sur la foi et la guérison et recevoir ton miracle, mon frère, ma sœur. Il n'y aura même pas besoin que toi et moi, on se connaisse. Tu es connecté avec ce message au travers du Saint-Esprit, mon frère, ma sœur. Et le Saint-Esprit est là pour te guérir. Notez bien que le verset 27... Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Cette femme déclencha la guérison en faisant quelque chose. Fais quelque chose, mon frère, ma sœur. Elle se dit, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri, il nous dit au verset 28. Jésus lui répondit, ma fille, ta foi t'a guéri. Va en paix, délivrée de ton mal. On peut lire ça au verset 34 de la Bible en français courant. Vous aussi, vous pouvez déclencher votre guérison en agissant selon la parole de Dieu. Vous n'êtes pas obligé d'attendre comme ceux autour de la piscine de Bethesda que Dieu fasse quelque chose. Mais non, vous pouvez recevoir la guérison de Dieu à n'importe quelle heure en agissant en accord avec sa parole. Alors mon frère, ma sœur, tu as besoin d'une déclaration puissante. Et qui dit déclaration puissante ? Je pense à ma chère prophétesse Karine. Karine, depuis la Belgique, je te laisse la place et prophétise, ne retiens pas ta langue. Lâche tout ce que le Saint-Esprit a à dire au peuple de Dieu. Sois bénie, ma chérie.
Amen, amen. Merci Seigneur encore, Seigneur, pour ce que tu viens de nous dire, Seigneur. Cela confirme, Seigneur, la déclaration, Seigneur, que nous avons faite hier, Seigneur, anticipativement, Seigneur, par l'Esprit, Seigneur. Oh Seigneur Dieu, tu es bon, Seigneur. Il y a certainement quelque chose que tu veux faire comprendre, Seigneur, à tes fils et à tes filles aujourd'hui, Seigneur, pour avoir anticipé cette déclaration hier, Seigneur, et continuer encore aujourd'hui, Seigneur. Nous voulons continuer dans la même direction, Seigneur, et déclarer « Je peux exercer ma foi ». Je peux l'exercer. Elle est à moi. C'est mon autorité, c'est mon droit. Je peux exercer ma foi et recevoir la guérison pour moi-même. Tout comme la femme à la perte de sang l'a fait. Oui, Père, nous voulons nous aligner avec ta parole, Seigneur. Tout ce qui est écrit, Seigneur, est fait, Seigneur, pour notre enseignement, Seigneur. Et nous devons y puiser, Seigneur, des exemples, Seigneur, pour nos propres vies, Seigneur. Nous devons, Seigneur, voir, Seigneur, dans toutes ces histoires que tu as racontées, Seigneur, dans tous ces récits que tu nous as relatés, Seigneur. Seigneur, nous devons, Seigneur, y puiser notre force, Seigneur, et voir comment les personnes ont réagi, Seigneur, et ce qu'elles ont récolté, Seigneur, en conséquence de leur action, Seigneur. Cette femme, Seigneur, à la perte de sang, Seigneur, qui était malade depuis très longtemps, Seigneur, et a usé, Seigneur, tout son argent, Seigneur. La Bible nous dit qu'elle a dépensé tout son argent, Seigneur, Seigneur, chez les médecins, Seigneur. Elle courait à gauche, à droite, Seigneur, pour savoir, Seigneur, comment elle pourrait guérir de son mal, Seigneur. Elle a dépensé tout son argent, Seigneur, chez les médecins et dans les médicaments, certainement, Seigneur. Mais rien n'a fait, Seigneur, que cette maladie, Seigneur, puisse être guérie, Seigneur. Mais un jour, elle a entendu parler de toi, Seigneur Dieu éternel. Elle a entendu des grandes œuvres que Jésus-Christ faisait, Seigneur, quand il parcourait, Seigneur, les villes et les villages, Seigneur, autour d'elle, Seigneur. Et elle a commencé à faire naître en elle cette foi, Seigneur. Cette foi, Seigneur, ça a été une petite flamme, Seigneur. Au départ, ce n'était que quelques braises, Seigneur, mais elle a fait grandir cette foi. Elle a médité sur les choses qu'elle entendait, Seigneur, et elle s'est dit en elle-même, « Si seulement je pouvais toucher le bord du vêtement de Jésus-Christ, je serais guérie. Je serais guérie. » Et elle est partie, Seigneur, en pensant, Seigneur, à ces choses, Seigneur, et elle a bravé, Seigneur, la foule, Seigneur, sachant qu'elle aurait pu être lapidée, Seigneur, parce qu'une femme, Seigneur, à la perte de sang, Seigneur, dans les temps anciens, Seigneur, pouvait être lapidée, Seigneur, si on la trouvait, Seigneur, parmi la foule, Seigneur. Mais, Seigneur, cela ne l'a pas arrêtée, Seigneur. Elle a été, Seigneur, persévérante, Seigneur. Elle a voulu, Seigneur, être déterminée jusqu'au bout, Seigneur. Seigneur, elle était déterminée jusqu'au bout, Seigneur, parce qu'elle était convaincue, Seigneur, de ce qu'elle disait, Seigneur, et déclarait, Seigneur, en son fort intérieur, « Si je touche le bord du vêtement de mon Jésus, je serai guérie, je serai guérie, je serai guérie. » Et elle a fait en conséquence, Seigneur, elle s'est mise en action, Seigneur, et elle ne s'est pas arrêtée, Seigneur, en chemin, Seigneur, et elle est arrivée, elle a touché le bord de ton vêtement, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, et à l'instant même, Seigneur, elle a été guérie, Seigneur, à l'instant même, Seigneur. Il n'y avait rien qui pouvait s'opposer, Seigneur, à sa guérison, Seigneur, car elle était persuadée, Seigneur. Elle était convaincue, elle était déterminée, Seigneur mon Dieu. Elle savait, Seigneur, que si elle te touchait, Jésus-Christ, elle recevrait cette guérison comme tous les autres, Seigneur. Et Seigneur, bien plus, tu as fait bien plus dans sa vie que chez tous les autres, Seigneur. Parce que cette femme, Seigneur, elle a été guérie à l'instant même, Seigneur. Il y a très peu de cas, Seigneur, dans les récits que nous lisons dans la Bible, Seigneur, où ils ont été guéris à l'instant même, Seigneur. Mais elle, Seigneur, elle fait partie de ces témoins qui ont reçu la guérison instantanée, Seigneur Jésus-Christ, parce qu'elle était déterminée, Seigneur. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, d'agir dans la vie de mes bien-aimés de la même manière, Seigneur. Mets en eux cette foi, cette conviction, Seigneur, que s'ils, Seigneur, sont persuadés et déterminés à recevoir leur guérison, ils la recevront, Seigneur. La chose est certaine, ils recevront leur guérison, celle que tu as pourvue, Seigneur, dès la fondation du monde, Seigneur, pour chacun de tes enfants. Aucun n'est oublié devant toi, Père. Tous peuvent la recevoir. Seigneur, merci encore pour ce que tu vas faire dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs, Seigneur. Je t'ai prié au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Bénis-les, Seigneur, puissamment, encore en ce jour. Mes bien-aimés, je vous souhaite une excellente journée dans les bras du Père. Laissez-vous toucher et vous-même, par l'Esprit, touchez le bord du vêtement de Jésus-Christ. Entrez dans cette dimension céleste et recevez votre guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Bonne journée et à demain.